Bonjour Haïti, bonjour la diaspora, et c'est un plaisir pour nous capables de connecter avec ensemble, amis et fanatiques, merci Dieu et passeport sexuel, car nous sommes tout partout dans le monde, pour nous capables de partager ensemble avec tout, un petit morceau d'information, et bienvenue sous Chanel Paola. Et nous portons une bonne nouvelle et pour toute diaspora, tout Haïtien qui vivent à l'étranger, et ou même qui t'a remis rentrer en Haïti et dans le mois de décembre là pour être capable de passer fête là ensemble avec famille ou et amis ou et bien et ministère et haïtien et qui vivent à l'étranger et bien ministre là lui-même lui annoncé c'est des services qui a bon nous a gagné machine qui est disponible pour nous a gagné sécurité nous connaît et Haïti gagné et au phénomène qui a en pile problème actuellement là et ce phénomène kidnapping là. Eh bien, il y a une machine qui est disponible pour vous, il y a une sécurité. Et si vous-même, vous avez rentré en Haïti pendant la saison de décembre là, pour passer fête Noël avec fin année, avec famille. Et chaque pays, et ça ne parle pas de qui côté vous vivre, ou même quand vivre aux États-Unis, vous avez un numéro de téléphone pour capable de ou après dans MAV. MAV écrit M-H-A-V-E. MAV, c'est un service que le ministère lui-même li gagne pour capable n'importe information qu'on même ou besoin surtout moun a ka vive Saint-Domingue point numéro téléphone qui pour moun Saint-Domingue tant pour s'il pour nous capable reler n'importe service ou même par exemple qui ta me connaît et qui l'est yo pral commencer faire passeport qui l'est pral commencer faire acte de naissance qui côté bureau pral yé et bien on capable prendre numéro téléphone pour moun qui Saint-Domingue yo et bien ou capable reler dans numéro ça pour capable poser toute question qu'on ta remet connaît ou capable poser dans numéro ça service mabla li dans toute ambassade dans tout pays côté gain haïtien ou ap jeune service mabla seulement chercher qu'on ait numéro téléphone ou pas jeune quelques numéro téléphone dans vidéo ça ou pas de chance pour capter des ministres haïtiens qui vivent à l'étranger. C'est les mêmes qui parlent de nos informations en détail. Moi-même, là, pour me capable de chercher information pour me capable de porter pour nous. Eh bien, dans le pays comme il y a, prends le numéro de téléphone ça pour capable de relayer et MAV pour capable dire mais qui joue à prendre en Haïti et si vous avez besoin de machine pour capable et demander au service là, soit besoin de sécurité pour mener dans la caillou, pour mener dans l'hôtel, bien que nous connaissons. Et Haïtien comme Saint-Domingue, c'est eux-mêmes qui pourra moins bénéficier des services. Mais vous pouvez capable de sur ta besoin et ça parle de comment on parle l'Haïti, si vous aller et comment on parle rentrer dans le pays. Par exemple, si tu as fait 4 identifications nationales, vous avez une chance pendant qu'on rentre à Haïti là. Et on a des guichets qui sont déjà préparés, ou capable de rentrer ou aller. Et dans l'aéroport, ou capable de rentrer ou tout fait 4 d'identification nationale pendant que même ou pour rentrer à Haïti là. Et bien, pour quitter nous ensemble avec ministre et haïtien qui vivent à l'étranger, c'est le même qui parle de nos numéros de téléphone, comment pour nous capable faire, pour nous capable bénéficier de services que MAV lui-même lui gagne est disponible pour tout haïtien et qui vivent à l'étranger. N'importe côté, toute diaspora, diaspora dominicain, diaspora chilien, parce qu'il y a un peu de monde qui pense que Haïtien qui vivent Saint-Domingue, pas diaspora. C'est diaspora que nous. Nous, ouais, comment bagala est propre haïtien à discriminer haïtien. Parce que mon ancien machine li prend pour le cap entre Saint-Domingue. Parce que peut-être dans plus nous c'est en bas bois nous passer. Ils discriminent, ils font comprendre nous pas diaspora. Et quoi me souvle? Il y a un pile dans la diaspora Saint-Domingue. Il y a même apporté à pays d'Haïti passer en pile dans la diaspora ça qui aux États-Unis qui en France parce que en pile haïtien Saint-Domingue qui voyait en pile chocho en pile l'argent bah et famille aux amis qui en Haïti parce que en pile dans nèg qui parle en pile qui pas considéré haïtien Saint-Domingue comme diaspora haïtien Saint-Domingue c'est diaspora pour que même monde qui parle bagaille diaspora nous moi invitez nous pour nous capable des ministres haïtiens qui vivent à l'étranger les mêmes qui parlent nous plus de détails sur service mabla et comment capable bénéficier dans saison décembre dans saison fédérale et fête d'année des services que MAV les mêmes les gagne à la disposition de tout haïtien qui parle rentrer en Haïti. Nous faisons belle avancée là dans une plateforme que nous avons créé natif natal. C'est pour nous mieux communiquer avec la diaspora à travers la plateforme ça. Et bon, disposition que nous avons dit qui prend là pour fin d'année à travers le ministère là, et c'est peut-être des services que nous avons gagné que la diaspora n'a pas de connaître. C'est quand nous avons dit, nous avons un aéroport là, nous avons une machine, nous avons un chauffeur.
gen de moun kap antre la et que nou kapab ba yo accompagnement, depose yo nan hôtel yo avec sécurité et peut-être même si yo gen pa gen moun ki vin chache yo, ta vle ke nou depose yo la kayo, nou ka toujours fè ça parce que nou gen machine ki disponible nan airport la pour ça. Et si ou moun ta intéressé pour ta bénéficier de service sa yo, dépendamment de pays ko ap soti yo, pense que son moun c'est aux États-Unis ou et ou karele nan 305 735 72 65. Si ou moun c'est Canada ou yo ap antre Haiti, ou karele nan 514 447 81 61. Si c'est Brésil ou yé, ou ka toujours rele nou nan 55 484 042 0852. Si ou c'est Chili ou ap antre Haiti, ou ta besoin service MAV la toujours, ou ka toujours rele nou nan 56 229 382 et 414. Et puis la République Dominicaine, nous gagne un numéro qui c'est 849 941 0328. Alors j'en dis, si qu'on y a là, nous ta gagne mon cap sorti et dans zone Europe là comme ça, ou bien et ba masse dans l'autre côté que nous pas ba téléphone là, yo ka toujours utiliser un WhatsApp que nous mettez disponible pour yo qui c'est 509 41 46 00 91. Alors le numéro ça on saute bail là, c'est numéro que moun qui t'a même bénéficié de service nous gagne sous place dans aéroport carrelé pour yo dit que y a venir, mais qui gens yo relé pour que déjà nous voyer un monde qui dans protocole et ministère des Haïtiens à l'étranger à compétent yo depuis na arrivé à pour aider yo et prendre mallette yo à le mettre au chita dans curse noir pour que si yo gagne et nécessité et pour ta fait carte d'identification nationale là, parce que m'a tout annoncé yo ça tout diaspora cap entrer là pour mois décembre là que en curse noir dans ministère et Haïtiens à l'étranger qui en dans aéroport. Nous gagnons un côté en dedans, gagnons et un technicien onikila qui abaille toute diaspora qui entre service pour yo capable faire carte identification nationale. Gagnons pile disposition pour le prendre, que gagnons de ville qui gagnent plus lumière, plus quota d'électricité et par rapport à ça qui baille déjà comme service. Maintenant, la lumière, il marche avec ambiance et puis les fêtes de fin d'année, c'est ça. C'est une fin d'année qui pas bien. Nous avons un pays qui était souffri en pile, nous son pays qui était loc. Alors, bon paquet d'éléments dans fête de fin d'année ça qui pourrait paraître, qui pourrait émerger, c'est l'élément sanitaire. Donc fête de fin d'année coïncide année ça avec une maladie que le COVID-19. Haïti était paradoxalement il y a un rare pays qui a une chance pour la parler de fête de fin d'année. Il y a un pile pays qui pas qu'à parler de fête de fin d'année. Donc ça vraiment il faut que nous dit que faut nous dire merci. Moun ki chrétien y a dit merci à bon Dieu, moun ki vodouisan va dire moi merci à loyo, mais faut dit tout gagner un gros travail qui fait au niveau de l'État entre 11 mars, 19 mars et jeudi hein, par ce gouvernement et notamment par le ministère de la Santé publique qui fait que gagner un travail d'advance qui fait un travail de préalable qui fait que des dispositions nous prend en amont déjà pour empêcher que maladie a été fait trop dégâts. Mais nous voulons quand même attirer attention nous sur le côté sanitaire. La fête aura lieu, les fêtes auront lieu, il y aura des fêtes de fin d'année. C'est pas une fête qu'on a renvoyé parce que les fêtes de fin d'année c'est comme tout pays qui fêtait et Noël sont fêtes universelles et Nouvel An. Mais il y a quand même la maladie qui existe. Au niveau du Conseil des ministres, et il est clairement dit que le ministère de la Culture, tant au niveau du Conseil des ministres qu'au niveau du Conseil de gouvernement, il y a instruction qui passait que le ministre Culture et Communication, j'aurais m'a fait là, avec le ministre Santé, ils mettaient ensemble pour continuer à faire sensibilisation sous maladie. Hein? Et pour faire sensibilisation, ça surtout au niveau des clubs. Hein? Des boîtes de nuit, des boîtes dansantes, des bars, des restaurants et de tout lieu de fête yo, hein, et on y auprès des DJ et auprès des artistes, hein. Donc c'est très important que artistes yo
pour yo connait que parce que fon attirer attention que fin d'année ça là gon gros programmation moi ouais qui fait moi c'est en tant que journaliste ou supposé comme ça c'est j'ai du jamais vu ça moi en termes de programmation. Il dit que de novembre à début janvier nous gon programmation qui tight j'en dit qui full pas gain des soirées côté gain plusieurs balles et de gros balles extrêmement importants. Donc balle ça qui ça voulait dire yo positif. Je veux dire que paysan la PCI vive, il veut vivre. Mais en même temps, faut nous attirer attention moun yo que faut que prend précaution. Faut que prend précaution, faut que DJ yo profiter de l'espace ça pour faire sensibilisation. Faut que musicien yo tout yo fait sensibilisation et en matière de sécurité donc il y a un autre volet des fêtes parce que on volet sanitaire, on volet sécuritaire. Et qui intéressait nous, nous capables de garantir que au niveau des instances concernées, et d'ailleurs nous pourrons interpeller le ministre de la Justice et de la Sécurité publique, là, même nous pourrons gagner le ministre D là lui-même, ou bien nous gagnons là déjà, et c'est que le ministre de la Justice, là, il gagne chaque ministre, chacun en ce qui le concerne, un rôle pour jouer. Pas vrai? Et donc, ou t'as capable d'un ministre touriste qui parle là, ou t'as capable d'un ministre jeunesse qui parle là, parce que fête, c'est des fêtes de jeunes, oui, ok? Donc, faut nous toujours rappeler, tout secteur qui est concerné par fête, que yo gen pou yo fête, son chance yo gen a fête, parce que maladie nous est à Haïti, li, moué là, nous à peine à 233 morts, hein, nous gon chiffre de 9000 qui a augmenté lentement en termes de cas, pas vrai? Li tout petit, mais li là, et li pas disparaît.